Mais il y a quelque chose, un must que personne ne veut lire et qui est dans toutes les biographies. C'est le massacre de la troisième tribu juive qui était à Médine avec le prophète, le massacre des Banu Qurayza. Voyez, ils avaient plus ou moins fricoté avec les ennemis du prophète, c'est vrai, avec les Mécois. Mais voici le sort qui leur fut réservé. Okay. Voici ce que dit Ibn Ishaq. On les fit descendre, ils avaient été enfermés dans le quartier de Bint al-Harith, c'est-à-dire la fille d'al-Harith, à Médine. L'envoyé d'Allah alla sur le marché de Médine et fit creuser des fossés. Il les fit venir. On les fit venir par groupe, ils étaient au nombre de 600 ou de 700. Certains disent 800 et 900. On leur coupa le cou. Et dans Ibn Hisham, page 277, puis il fit venir les Banu Qurayza, ce sont les juifs de cette tribu, par petits groupes, et leur coupa la gorge sur le bord du fossé. Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. On ne tua de leurs femmes qu'une seule femme. Ah. C'est bien, elle était chez moi, c'est une juive, dont elle parle. Elle parlait avec moi et riait tout son cœur, pendant que l'envoyé d'Allah fit tuer les hommes de sa communauté dans le marché. C'est elle qui parle, Soudain, un crieur cria le nom de la femme, disant « Où est une telle ?» Alors elle répondit « C'est moi. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle répondit « On va me tuer. »« Mais pourquoi ?» lui dis-je. « À cause d'un acte que j'ai accompli. Ah. » On l'a pris et on lui coupa le cou. Et Aïcha est étonnée de son cas. Elle dit ceci parce qu'elle est très, très sensible, Aïcha. « Je n'oublierai jamais la sérénité de son âme et la fréquence de son rire, tout en sachant qu'elle allait être tuée. » Et Ibn Hisham dit, c'est elle, vous savez pourquoi elle a été tuée? Elle avait jeté un moulin sur Khalad, vous savez, un moulin, une sorte de là pour faire, pour moudre, sur Khalad Ibn Suwaid. Mais il y avait quelque chose encore plus touchant. Il y avait un juif, Al-Zubayr, qui avait rendu un service à un arabe, qui était des compagnons de Mahomet. Et vous savez, un bienfait, il faut dire la vérité, dans un monde bédouin, ça ne s'oublie jamais. Alors l'arabe s'invite à là auprès de Mahomet, et lui dit, fais-moi don de son sang. Il m'a sauvé un jour, il est à toi, dit le prophète. Okay. Et alors Al-Zubayr, le juif, dit alors, mais où est Karb ibn Assad? Et l'arabe s'invite répondit, il est tué. Et un tel, il est tué. Et un tel, il est tué. Alors Zubayr, le vieux juif, dit alors, « Oh, Thabit, je te prie de me faire rejoindre ces gens, car la vie n'a plus pour moi de sens. Je ne peux plus patienter jusqu'à ce que je rencontre mes bien-aimés. » Alors on lui coupa le cou. Et quand on rapporta les paroles du juif à Abou Bakr, il dit ceci, « Je rencontre mes bien-aimés. Par Dieu, il les rencontrera dans le feu de la Géhenne, où il restera éternellement, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer, Jahannam. » Et Ibn Ishaq dit, l'envoyé de Dieu ordonna de tuer tout adulte parmi les Banu Qurayza, c'est-à-dire la tribu juive. Mais attendez, ce n'est pas fini. Puis il y eut le partage du butin, page 196. L'envoyé d'Allah fit le partage des biens des Banu Qurayza, de leurs femmes et de leurs enfants, entre les musulmans. Le cavalier avait trois parts, deux pour le cheval et une pour le cavalier. Et le combattant à pied n'avait qu'une seule part. Puis l'envoyé d'Allah envoya Sa'd ben Zaïd al-Ansari à Nejd, vous savez c'est le cœur de l'Arabie, avec des femmes captives pour les vendre et acheter en échange des chevaux et des armes. L'envoyé d'Allah avait choisi pour lui-même, parmi leurs femmes, parmi les juives, Rayhana. Elle voulut rester sa concubine et refusa le mariage. Vous avez dans l'envoyé d'Allah un bel exemple. Et même dans le Coran sourate 33, on parle de ce carnage de la troisième tribu. Il est dit, une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre réduite en captivité. Fariqan yaqtuluna wa ta'siruna fariqan. Mais il y a autre chose. Après avoir massacré cette tribu juive, c'était la troisième, les deux autres avaient été en quelque sorte chassées parce que on était intervenu. Vous savez, c'est ces systèmes d'alliance en Arabie. Ils s'étaient réfugiés, les pauvres, dans une palmeraie qu'on appelle Khaybar. K-H-A-Y-B-A-R. Et alors, et on ne va pas les laisser tranquilles. Ce n'est pas forcément la faute du prophète. Vous savez ce que dit Ibn Hisham? Le slogan des partisans de l'envoyé d'Allah durant la campagne de Khaybar, c'était « Oh victorieux, tue !» Vous savez, des vrais excités. Moi, je pense que le prophète était le moins... C'était des fous. Et voilà comment le récit de la campagne de Khaybar. Mais là, Madame Delcamb, là... Oui, je peux continuer comme ça des heures, Oui, je sais. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a fait à la Khaybar? Allez-y. Il a demandé au chef juif Kinana
Ben Arabia, chez qui se trouvait le trésor des oui. Juifs. Il lui a demandé où était le trésor. L'autre ne voulait pas le dire. Il lui a dit, à ce moment-là, il a dit, si je trouve le trésor, est-ce que tu permettras que je te tue? Kinana a dit, oui, comme ça. Et alors, l'envoyé d'Allah a trouvé une partie du trésor. Il a continué, il a ordonné à Zubayr ben al-Awwam de le torturer jusqu'à ce qu'on puisse faire sortir ce qu'il y avait en lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler sur sa poitrine jusqu'à ce que Kinana fût sur le point de mourir. Puis l'envoyé de Dieu le livra à Muhammad ben Maslama. Celui-ci coupa son cou en vengeance de son frère Mahmoud ben Maslama. Et celui qui traduit ça, c'est Baydawi, qui est vraiment, Badawi, pardon, qui est vraiment un musulman, qui dit à chaque fois qu'il met le nom du prophète, Muhammad, il dit, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a fait mieux, le prophète. Il y avait Safiya, l'épouse de ce Kinana qu'il avait torturé et effectué. Elle était avec une autre captive. Hein? Le prophète ordonna de s'approcher et jeta son manteau sur elle. Alors les musulmans surent que l'envoyé d'Allah l'avait choisi pour lui-même. Et sur le chemin du retour, il n'a même pas attendu d'être arrivé à la Mecque. Il a consommé le mariage. Il a couché avec elle sous une coupole. Et il y avait un homme qui s'appelle Abu Ayyub Khalid Ben Zayd. Et lui, il a veillé dehors toute la nuit. Et le matin, quand le prophète a eu couché avec Safiya, la femme de Kinana, il a dit, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, être là près de... Et Abu Ayyub, et il dit, écoutez bien ce qu'il a dit, ce bédouin, c'est une femme dont tu as tué le père, son peuple, c'est pourquoi je craignais pour toi. Je la craignais pour toi. C'est-à-dire qu'il a dit, elle aurait pu le tuer, après tout avoir fait tuer le père, le mari et le peuple, c'est-à-dire ceux qui se trouvaient à Khaybar. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que celui qui fait... Bon, le prophète, moi je dis, c'est à son époque, c'est au 7e siècle, dans des coutumes où celui qui ne tuait pas était lui-même tué. Mais ce qui est grave, vous avez dans mon envoyé un beau modèle, en ayant dans le Coran que ce qui est dit, le prophète, c'est Dieu qui le dit, eh bien, vous ne vous étonnerez pas que dans cette vidéo, je vois reproduit celui qui coupe la tête, comme on pouvait le faire au 7e siècle, et qui est sûr, en faisant ça, de satisfaire son prophète et le Coran. C'est ça qui, pour moi, est grave. Quand j'ai vu la femme lapider, cette lapidation, avec exactement, en prenant des pierres pas trop grosses, parce que ça les tuerait d'un coup, pas trop petites, parce que c'est pas ça, que le sang coule, que les chairs éclatent, je me dis, mais attendez, c'est la parole éternelle de Dieu et ça continue. Et on ne peut pas ne pas le dire